Pellerin s'avance dans le cercle du but. C'est pour Bellegarde. Il est maintenant derrière. Passe à Cormier, qui est dans le coin à droite. Tommy Cormier sort du coin derrière à Bellegarde. Veut revenir devant. Perd la rondelle. C'est repris par les Cataractes. Dégagement arrêté par Roy près de la ligne bleue. Passe à droite pour Cormier. Cormier remet à la pointe droite vers Brunet. À gauche, c'est à Pellerin. Et dans le cercle. Passe à Cormier. Tire bloqué. Le retour et le but. 1-0 Tigre. But marqué en avantage numérique par Bellegarde. Bien positionné dans l'enclave. Rémi de la Fontaine vient de faire tout un arrêt, déplacement latéral vers sa gauche. Et il frustre Cormier, mais il ne pouvait rien faire sur le retour. Il est apparu directement sur le bâton de Bellegarde, qui met les Tigres en avance 1-0. Les Tigres, c'est le deuxième meilleur avantage numérique dans la Ligue à 27,7%. Là, ça s'est amélioré évidemment avec ce qu'ils viennent de produire et les Cataractes. Et en désavantage, 7e à 78,5. Bien, le geste de Nathan Darvaux, qui a donné un avantage numérique à son équipe. Et c'est 1-0, Victoriaville. Daniel Renault a accueilli le Félix Denis avec une petite discussion avec Claude. Et évidemment, je pense... Roy prend la rondelle derrière. Dégagement territoire central. Il y a 2 contre 1 pour les Tigres. Nadeau avec Bellegarde. Tire de Bellegarde bloqué par le gardien de La Fontaine. Roy vient dans le coin. À la droite, ça va tout près de la ligne bleue. Plamondon qui a la rondelle. Tire qui a été bloqué. Cormier qui sort de son territoire, presque en échappé. Dupuis qui sortait du banc des Cataractes. Le tir de Cormier bloqué par le gardien des Cataractes. Plamondon déblaye le devant du filet. Avancé. Plamondon qui reprend derrière son filet. Plamondon, il va d'une longue passe à Denis en sortie territoire. Sortait du banc de punition. Denis presque en échappé. Tire. La rondelle qui a été stoppée par Darvaux s'est repris. L'envoi à la droite, c'est Kanenka qui vient chercher la rondelle. Kanenka revient vers le centre. À gauche pour Ménard, devant le filet. C'est pour voir le tir qui a été bloqué. L'autre tir, cette fois, c'est Darvaux qui fait l'arrêt. Non, revient vers le centre, perd la rondelle. Dupuis qui intervient. Passe au centre rapide vers Juzic. Ça mène chez l'adversaire. Il est à la droite. Tir bloqué par le gardien Darvaux. Et Cataractes. Et tir passe à Beaulac. Beaulac qui a réussi à envoyer vers Lou Félix Denis. Et une attaque des Cataractes à 4 contre 2. Denis laisse derrière à Beaulac. Ça avance en cave. Tir bloqué. Le retour. Le but! Lou Félix Denis crée l'égalité, Claude. Et là... on va revoir la séquence. Alors, il y a eu le lancer qui a été bloqué et Denis, à la reprise, semble. Lorsqu'il y a eu contact avec Nathan Darvaux, ça semble être dans la foulée alors qu'il poussait la rondelle au fond du filet adverse. Mais il n'a pas fait grand-chose pour éviter Nathan Darvaux. À gauche a tenté de reprendre. Gorgunov le fait pour les Tigres, mais il est aussitôt rejoint par un joueur des quatre. Par contre, il y a une sortie de Victoriaville. Justin Larose dans la zone des quatre actes. Laisse la rondelle derrière à Prichepov. Dans la clave, Larose un tir et le but. Oh! Larose vient d'aller chercher un gros but pour les Tigres. Séquence à 3 contre 2. Bayarjon est en repli défensif, mais l'écart avait été fait. Larose reçoit cette belle passe. Il dégaine par-dessus l'épaule de Rémi de la Fontaine. C'est 2-1. Tir extrêmement précis de Justin Larose pour les Tigres qui redonne l'avance à son équipe avec 8-31 à faire en troisième période. Oui, belle séquence. Une relance très rapide après que les Cataractes aient cogné à la porte de Nathan Darvaux. Les Tigres, Claude, on vous l'a dit, sont très opportunistes. Ils en ont fourni une autre preuve il y a quelques instants. Ouais, les Cataractes étaient venus bien près de prendre l'avance quelques secondes auparavant avec un tir d'Alexis Beaulac, mais Justin Larose a enfilé les buis. C'est un cliché, mais dans ce cas-ci, c'est bien vrai. Il n'y avait pas beaucoup d'espace au-dessus de l'épaule du gardien de but. C'est 2-1, Victoriaville. C'est Larose qui avait mis la table à cette séquence. Un but et demi à faire en troisième. Un but d'avance pour les Tigres. Brunet passe à sa droite vers Simard. Il envoie en zone centrale. Denis reprend pour les Cataractes. Revient rapidement chez l'adversaire. Veut couper devant le but. Un tir. La rondelle est passée au-dessus du filet. Rondelle bon de centre. Bonnefond la main devant le filet. Bonnefond. Un lancer. Et le but! Alexis Bonnefond crée l'égalité et clôture une séquence amorcée par Lou Félix Denis. Denis de tous les combats ce soir. Il a amené la rondelle au filet. Il passe un cheveu de retoucher à Nathan Darvaux. La rondelle, elle, s'est retrouvée sur la palette d'Alexis Bonnefond qui enfile l'aiguille. Un but dans la lucarne. C'est 2-2. Et c'est loin d'être terminé. Les Cataractes ont trouvé une façon de donner de la vie à leurs partisans dans cette troisième période. Après avoir créé l'égalité 1-1, les Tigres ont repris l'avance, mais rapidement, les Cataractes remettent les compteurs à zéro. 7 minutes 15 à faire dans cette troisième période. Si je compte bien, c'est 1 minute 16 après le but marqué par les Tigres. Ça, c'est du caractère, là. Du caractère à Brunet.
près des cercles. Brunet dans le coin pour Cormier. Rondelle qui n'a pu saisir, revient le long de la bande. Passe à Brunet. Brunet à gauche pour Pellerin. Pellerin a tir capté par De La Fontaine. Bel arrêt du gardien des Cataractes qui provoque une mise en jeu avec 1:05 à l'avantage numérique des Tigres. En profite rapidement, s'amène chez les Tigres et les talons à droite. Denis face au défenseur Brunet, tir bloqué par Darvaux. Denis veut reprendre, mais c'est Boult qui s'empare de rondelle dans le coin. Passe. Le tir des Tigres qui a été bloqué en défensive. Rondelle qui revient à Étienne, les talons à droite. Passe à gauche pour Boult. Boult. Fin de tir, ça va vers l'enclave. Un tir capté par Darvaux. Pas de retour là-dessus. Serre deuxième tireur pour les Cataractes. Lui aussi, c'est un attaquant gaucher. Même recette. Ça va du côté gauche dans le territoire adverse devant Darvaux. La feinte. Et le but! La Serre va chez le premier but en fusillade. Du revers, s'il vous plaît. Il joue sans peur. Félix La Serre. Rarement vu une recrue de 16 ans aussi sûre de lui. C'est le vétéran Maxime Pellerin qui va tenter de répliquer à Félix Lacerte. 1-0 Cataractes dans les tirs de barrage. Mort pour les Cataractes. Un vétéran gaucher s'en va chez l'adversaire. Arrive face à Darvaux. S'est arrêté. Ralenti. Huard la fête. Stoppé. Et le but! Stéphane Huard met un terme à cette soirée. Au jeu de patience. Il a réussi à battre Nathan Darvaux qui est furieux, Claude. Les Cataractes, eux, avec raison, célèbrent une grosse victoire à domicile. Et en même temps, on assure une passe en série et on passe un message au Tigre si jamais on les croise dans les prochaines séries de la tour. Avec 5 matchs à jouer en saison régulière, 6 points d'avance pour les Cataractes sur les Voltigeurs de Drummondville.